Avec la couronne que Dieu t'a donnée. Nous voulons voir Dieu. Et moi, les donateurs. Plus que les dons cabo, collègues ma cabo. Parce que j'avais oublié les donateurs. Quand tu dis que Dieu ne m'aime pas, tu connais combien de gens. Et toi qui sont morts. Ils ne sont plus. Ils étaient forts. Des fois, ils avaient l'argent plus que toi. Mais ils ne sont plus. Même si tu n'as pas d'argent, aime le donateur. Parce que ce que tu as le plus précieux, c'est la vie qui t'a donné. Bien que Jésus, l'unique chemin de la résurrection, l'unique chemin qui conduit au paradis, le Fils, voilà la moto. Pour voir d'autres vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Tu es béni ce soir. Au Pambolami, la Poco, alléluia. Tu es béni. Au Pambolami. Alléluia. Amen. L'Éternel nous a parlé. Yahweh a loué la Kibiso. J'aime Dieu parce qu'à chaque temps, il nous donne ses messages. Il nous donne la révélation, la connaissance de sa parole. Et il est tenté de nous conduire dans la profondeur de la parole. Depuis le premier dimanche de ce mois, comme tous les mois, c'est moi l'Éternel nous a parlé que c'est le mois de la louange. C'est pour cela qu'on vient de l'adorer et de chanter pour lui. Et nous avons introduit le message. Mais c'est dimanche. Il y a un plat. Un plat, plat préparé, un repas. Alléluia. Amen. Que l'Éternel veut nous donner ce soir. Oh, on colle une grappe sa vie sur la peau pour les lots. Non, que sous terre. Et t'es ni la maman et les cabo. Aimons les donateurs plus que les dons. Tout l'inga mon père si les cabo colle comme un cabo. Je l'avais introduit le dimanche passé. Mais le Seigneur veut que nous puissions parler de ça. Parce qu'il m'a dit que c'est un message qu'il doit ramener, qu'il doit donner la vie à son père. Et moi, les donateurs plus que les dons. Aimons les donateurs plus que les dons. Veux tout simplement dire. Il faut considérer les donateurs plus que les dons. Il faut considérer celui qui donne plus que les choses qu'il donne. Non, je ne suis pas contre les dons. Je ne suis pas contre les miracles. Je ne suis pas contre toutes les bonnes choses que Dieu nous donne. J'aime qu'il me bénisse. Mais le message est qu'on ne doit pas être connecté qu'au don sans être connecté à la source. Alléluia. Amen. Donc s'il faut aimer, il faut aimer celui qui donne. Alléluia. Amen. C'est ça le message que Dieu veut nous donner. La Bible nous dit, disons dans les Jean chapitre 6, au 26e jusqu'au 29e verset. Jean chapitre 6. Du 26e jusqu'au 29e verset. Si tout, nous allons appuyer le 27e verset.
Nous disons mon Jésus. Amen. Jésus leur répondit. En vérité, je vous l'ai dit. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles. Mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que le lui-même a marqué de son sceau. Il nous dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres des dieux? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, vous croyez en celui qui l'a envoyé, parole du Seigneur. Aimons les donateurs plus que les dons. Travaillez non pas pour la nourriture qui périsse, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est lui qui est le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Écoutez la parole du Seigneur. Dieu veut que nous soyons attachés à lui. Que nous puissions l'aimer plus que tout ce que nous cherchons. Le message est que de donner la première place au donateur. Aussi longtemps que tu vas aimer Dieu, tout le reste sera rien. N'est-ce pas dans les 10 commandements? Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme et de toutes tes forces et de toutes tes pensées, de toutes tes pensées. Alléluia. Amen. C'est le message que Dieu nous donne pour ceci. Bien aimé, on doit comprendre Dieu plus que les dons. On a l'impression que les gens sont attachés au matériel plus que Dieu. Les choses qui périssent. Mais Dieu est éternel. Jésus est éternel. La parole est éternelle. Si tu aimes la parole, tu aimes Dieu, tu ne vas pas périr. Mais tu vas demeurer éternellement. Si les enfants de l'argent peuvent se souvenir, un jour l'Éternel nous avait dit, ne vous attachez pas à ce qui est visible. Ce qui est visible est périssable, est passager, mais ce qui est invisible est éternel. Alléluia. Amen. Aimons les donateurs. Tu dois aimer Jésus. Yes. Yes. Amen. Si tu vas prospérer, tu dois aimer Jésus. Dans 3 Jean 2. Dans 3 Jean chapitre 2. Dans verset de plutôt. 3 Jean 2. La Bible nous dit. Bien aimé. Mon ami, je souhaite que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, les souhaits de Dieu, que tu prospères en tous égards. Mais, avant de prospérer en tous égards, ton âme, ton âme doit d'abord prospérer. Quand on parle d'une âme qui prospère, on ne voit pas le matériel, on voit la présence divine, on voit le respect de la parole, on voit la sanctification, on voit l'amour.
Alléluia. Amen. Attachons-nous au donateur. Donc, on a mal à mon père, si ma cabo. Il faut que ton âme est prospère. Et Seigneur, il m'a mal à ton fouluka. Comment tu vas savoir que mon âme prospère? C'est quand tu as changé de vie à cause de Jésus. Alléluia. Amen. Tu étais un prostitué. Moi Ndumba. Mais tu as changé à cause de Jésus. Là tu aimes Dieu. Tu ne pouvais pas pardonner. Mais tu commences à pardonner. C'est-à-dire là tu aimes Dieu. Tu cherches les royaumes. Alléluia. Amen. Sentez que tu vis avec Dieu. Abandonne le péché. Grand Dieu. C'est ainsi qu'agisse et qu'on salama. Ceux qui aiment les donateurs. Obéissez Dieu. Ton sans zambé. Même quand ça ne va pas. N'attendez pas ce qui te donne pour que tu lui obéisses. Même en pied. Bête ma colo, tu fais pied. Pour chercher l'éternel. Que la famille ne te sépare pas avec ton Dieu. Que le manque des habits ne te sépare pas avec ton Dieu. Que les gens qui t'ont abandonné ne te séparent pas avec Dieu. Aussi longtemps tu auras des oppositions, tu auras des combats, ton attachement deviendra très fort. Parce que nous sommes attachés au donateur. C'est le temps de ceux qui s'attachent au donateur. Nombreux ont plié les donateurs. Tu n'avais rien. Aujourd'hui tu es fortuné. Tu roules en carrosse. Tu es riche. Mais souviens-toi, c'est pas cette richesse-là qui a fait de toi toi. Mais c'est les donateurs. N'oubliez pas les donateurs. N'oubliez pas les donateurs. C'est lui qui t'avait donné le mariage. C'est lui qui a facilité ta vie. Ne l'oubliez pas. Il veut que tu puisses les compter. Il veut te voir. Comment tu les célèbres? Avec les richesses qu'il t'a données. Comment tu les célèbres? Avec les enfants qu'il t'a donnés. Avec les maisons qu'il t'a données. Ne tournez pas les dos. L'homme, il représente Dieu. Et moi, le donateur. Alléluia. Nous allons voir une femme. Je vais prendre, je vais frôler une femme. Dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther. Au premier chapitre. Verset 9 à 12. Et moi le donateur plus que le don. Esther. Esther. Esther chapitre 1er. Mon caponamoko. 9 à 10, 9 à 12, 9 à 12, nous lisons mon Jésus. Amen. La reine Vashti fit un festin pour les femmes de la maison royale du roi Assyris. Moi, si na mon cousin Vashti a sali si fête na basi pour na mobalinae. Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Meoman, Bitsa, Arbona, Bita, Abata,
Zeta et Caréa, le sept eunuque qui servait devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vati avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vati refusa de venir, car elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi le loi de Perse et de Mède, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vati ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Alléluia. Amen. 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 La Bible déclare. Bible est en contact là. Notre bien-aimé sœur. Mon ami Nabi So, Esther. La sœur Vati. Ah, n'est pas moi si Vati. Elle était reine. Azara qui moi si à mon cause. Un jour. Mon colon moko. Le roi avait besoin d'elle. Koumou Azara qui n'a pas ça. Vati devait se présenter. Vati enseigné la mon analyse. Vati était très belle. Vati Azara qui m'a enseigné à Koleka. Et le roi était fier de Vati. Il pouvait présenter sa femme comme il veut. La Bible, la Bible nous dit que un jour le roi avait invité Vati. Mais elle avait refusé. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Vati, pendant que le roi célébrait à côté un festin à l'honneur de tout le monde, Vati a récupéré les femmes du pays. Et il a commencé à fêter avec eux. Il célébrait aussi pendant que les rois célébraient. Alléluia. Amen. Combien de fois les rois ont besoin de toi? Mais toi, tu es en train de célébrer avec la couronne que Dieu t'a donnée. J'ai déjà vu les gens qui devaient venir au culte. Qui dit que je paye le temps? J'avais de la visite. Les chefs avaient besoin de toi. Nous l'adorons. Mais tu as donné la priorité au sein du pays. Nabasi Amboka. Aux visiteurs. Nabapaya. Toi qui étais rien. Yozala qui pamba. Toi qui disais quand Dieu va me lever. Je vais le reconnaître. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait avec la couronne que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais avec la couronne de Dieu? Vas-tu avait oublié les donateurs du couronne? C'est le roi. C'est son époux. Et le pauvre avait besoin d'elle. Et ce jour-là, va-t-il fester à côté? Va-t-il sans indigner le roi? Et pensa qui pensa mon conzi, passe. Sans indigner le roi? Et c'est pensa qui m'ont consulté. Sans indigner même celle qui travaille avec le roi. Et c'est pensa celle qui vous doutez la babaza consacre à peine la mon conzi. Combien de fois? On a touché même celle qui travaille avec les rois. Sur ta vie, pasteur. Prie pour moi. Tu es pas jour ta vie. Mais le jour où tu as l'argent. Kasi mokolo zumbongo. Tu dis non. Olomite. Même la dîme, toi-même, tu deviens le pasteur de ta vie. Ata komo ko la zone, yomo koko yomo bate li pate abo mo ina yo. Et c'est là que tu travailles à côté du roi. Le roi va te mettre la matara bakita. Parce qu'ils sont attachés à la couronne. Non. Au donateur. Et c'est lui. Bango bakangami te na mopesi motole wana. Quand
peux fêter pendant que le chef t'appelle. Lolenge ni okoki kosepela wana tango mokonzi asobenga yo. Comment tu peux tourner le dos à ton créateur? Nenge ni okoki kompesa mokongo na moto akela yo. Écoutez. Yoka. La jambe. Nous voulons voir Dieu. Et moi les donateurs. Ce qui te limite au monde ensemble, tout le monde nous fait les dons kabo, kolega makabo. Amen. Et moi le donateur plus que les dons. Tout le monde mon père si makabo, kolega makabo. Vas-tu? Vas-tu? Et t'es détrôné. Les balongo là qui est en Gwende. La réunion était faite. Bato basanga na ki. Personne n'avait plus peur de vas-tu. Moto mon côté à côté là qui vas-tu. Et le roi lui-même. Attends comme mon conseiller, mon co. Et le roi. Non, mon conseiller. Et ceux qui travaillent à côté du roi. Père, la baba, ça la capelle n'a eu. Une ordonnance était signée. Père, Oukou et Bima qui va t'a qui mon co. Oye, mais pour la nuit, on perd droit en ma paix. Parce que tu avais oublié les donateurs. Les apôtres, t'es nous, bon, ça la qui mon paix si on a paix. Tu avais oublié les donateurs. Au bon, ça la qui mon paix si la nuit, on sort. Encore une ambiance. Encore une ambassade. Encore une fête du jour de vie. Mais tu j'ai oublié. Obosani. Répande-toi. Yoyambola. Heureusement que notre Dieu est bon. Mana mon pensa pour être ensemble la vie sans abola. Il dit revenez à moi et je reviendrai à vous. Alors il m'a son pas n'a pas koye pas na bino. Vas-tu n'avait pas eu la chance de se repentir. Vas-tu y a soi qui m'a mais à koyambola. Tout était fini. Parce que Emmanuel n'était pas encore né. Mais moi et toi, nous avons la grâce. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix. Il y a quelqu'un qui s'est fait pécheur. Il y a quelqu'un qui a vu notre place. Il y a quelqu'un qui a été condamné. Pour que le roi ne nous impute pas les mains. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, le Dieu créateur. Vati avait oublié. Vati à Bosanaki. Tu es sûr? Yo peso sotala. Que la couronne que tu as, c'est toi-même qui l'a mérité. Mon tour le oyosana ya mwezaka yo mokondo singera kinango. Toi qui dis que tu ne m'aimes pas. Yo sa kolobete nzamba lingaka ngate. Tu connais combien de gens qui étaient avec toi qui sont morts? Oyebe bene na bato babotama na elongo bakufa. Ils ne sont plus.
Ils étaient forts. Des fois, ils avaient de l'argent plus que toi. Ils ne sont plus. Même si tu n'as pas d'argent, aime les donateurs. Parce que ce que tu as le plus précieux, c'est la vie qui t'a donné. C'est la vie. Ne les compare pas avec tes besoins. Même si tu manques aujourd'hui, il t'a aimé. Il t'a aimé. Aime-lui. Si tu as envie parce qu'il t'aime. C'est-à-dire que le donateur n'a pas encore signé. Sauf au moins la terre, par exemple, t'a confié, c'est que le donateur a dit, ok, il peut partir. Et moi, le donateur, puisque les dons. Et moi, aussi longtemps tu vas aimer Dieu, tu vas voir toutes choses petites. Attends, on sur la crise, qui sont qui cité. Parce que j'aurais ces grands avec lui. Moi j'ai dit. Il y a maman, ma parole, ma comment c'est Kabiso. Pas toi ça, pas ça, au coca là-bas. Toi ça, pas ça, là, t'as le col là-bas. Toi, rouler là-bas, faut-il le col là-bas. Toi ça, qu'elle est cossée, n'a qu'à s'y mettre. Parce que nous aimons les dons plus que les donateurs. Ah, que si tu aimes les donateurs, tu vas vivre et tu vas comprendre dans les versets qui nous disent: cherchez premièrement le royaume. Le royaume. Le royaume. C'est que le païen manque, c'est le royaume. C'est que le monde n'a pas, c'est le royaume. C'est le royaume. C'est le royaume. Le monde peut tout donner. Ça peut donner l'argent. Ça peut donner la richesse. Mais le royaume. Le royaume. C'est pour les racheter. Les royaumes. C'est pour ceux qui ont reçu Jésus. Amen. Amen. Tu peux être dans n'importe quelle religion du monde. Mais si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Il n'y a que Jésus, l'unique chemin de la résurrection, l'unique chemin qui conduit au paradis. Le Fils. Voilà la moto. C'est lui qui a le Fils dans la vie. Même si tu pries, si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu peux le considérer prophète. Tu peux le considérer qui tu es. Mais moi je dis qu'il est le Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il a quitté le trône. Il est descendu. Je l'aime le Fils. Je l'aime. Son amour m'a rendu faible. Même là où je pouvais agir. Quand je pense à cet homme. Quand je pense à comment il était condamné. Comment il était cloué sur le croix. Il pouvait se défendre. Il pouvait.
mais à cause de moi, à cause de toi, à cause de toi, accepte de mourir. C'est ton mère, c'est Jésus, et ça y est, sous Christ, Nazaréen. Motona Nazareth. Hey, yaba kaba shaka. Hey, allô. Il a accepté. Nous devons l'aimer. Et c'est que l'on l'aime. Aimer Jésus. L'on l'aime Jésus. Aimer l'œuvre de la croix. L'on l'aime au salaire de Koulousou. Tout nous sera donné. Non, ce qu'on peut s'amener la vie. Tout nous sera donné. Non, ce qu'on peut s'amener la vie. Cherchons les royaumes. Donne Luca mon conseil Nicolas. Cherchons. Donne Luca. Cherche les royaumes. Mais comment va Luca mon conseil Nicolas. Tout. Non son. Le reste. Ouais, t'es gardé. Viendra. Et quoi y'a? Parce que en lui. Pas de cartes il y a tout ce que nous cherchons. Et dans la nuance de Luca. Cet homme n'abandonne jamais. Bon, toi, là, dis, caca, il ne te laisse jamais. À moi caca mon côté. Même si tu vois que Satan. Attends qu'on soit moi les hommes. Attends là. C'est une prophétie qui viendra. Quand tu es membre de cet homme, quand tu es le membre, tu es dans son parti, tu ne seras jamais confondu. Tu ne seras jamais déçu. Je ne parle pas de Michelin. Je ne parle pas de Pasteur. Je parle de l'homme de Galilée. J'étais coupable dans ma vie. Alléluia. Mais il y a un homme qui a pris ma place. Il m'a ramassé le péché. Alléluia. J'étais coupable de ma vie. Oh. À cause de mes péchés. Mais il y a un homme qui a pris ma place. Il s'appelle Jésus, le Nazaréen, le Nazaréen. Il ne m'a rien demandé. Alléluia, alléluia. Je lui ai l'empire donné. Nous devons le louer, nous devons le louer. Vraiment rien à retour. Nous devons le célébrer ce soir. Cet homme a pris ma place, il m'a donné sa vie. Lui qui était innocent, il s'appelle Jésus, le Nazaréen. Est-ce que tu sens la présence de cet homme? Il a pris notre place. Vati a été détrôné. Vati a le roi qui n'a point d'aise. Mais parce qu'il n'a pas voulu se présenter. Même toi, avec le paix qu'il a fait dans ta vie. Quand il t'invite, présente-toi. Dis-lui, Seigneur, me voici. Dis aux gens, tout ce que je suis, c'est cet homme. Nous sommes la génération d'Esther. Quand même on va me montrer des cadeaux. Mais je vais choisir les rois. Je vais choisir les rois. Ne choisis pas les biens. Je choisis les rois. Derrière les rois, tu auras tout ce que tu cherches. Je dis à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi les rois ce soir? La place, ta place, c'est à côté du roi. Et là, il qui t'appellera au reine
Moi, tu t'appelleras prince. Moi, tu t'appelleras princesse. Moi, merci, Sierra. Tu es prince. Qu'est-ce que tu vas manquer? Est-ce que quelqu'un peut dire que ce soir j'aime le monde? Je te fais, Seigneur. Mais voici. Mais voici. Lève-toi là, tu commences à dire que c'est bon. Mais voici, Seigneur. Mais voici, Seigneur. Seigneur, que je sois totalement à toi. Que je sois totalement à toi. Prends-moi. Prends-moi, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur.